Une petite vidéo encore, voilà, quelqu'un dit bonjour, salut mon frère, comment vas-tu? Ça fait un peu d'années, je suis tes enseignements. Donc lui, c'est quelqu'un qui me suivait dans mes prédications et je suis tombé et j'ai aussi suivi tes vidéos pour les loteries visa. Comment je dois faire? Moi, je suis chef cuisinier et je suis au Bénin. Mais je n'ai que le niveau BPC. Comment faire pour rentrer donc avec mon niveau d'études? Voilà, merci beaucoup. C'est un plaisir de te connaître. Sois richement béni, serviteur de Dieu. Voilà, la personne n'a pas mis son nom, mais la personne est un béninois. Voilà. Donc, la personne est une béninoise parce que c'est une personne qui est béninoise. Voilà, donc c'est un homme, je pense bien. Et c'est quelqu'un qui me suivait dans mes prédications. Et je vais commencer à mettre mes prédications. Ok? Je vais commencer à remettre mes prédications. Parce que je continue de prêcher sur ma page Facebook. Voilà. Donc il a dit avec le niveau BPC comment il doit faire. J'ai déjà parlé de ça. Mais comme je dois reprendre la page, cette chaîne-là, c'est pour vous. C'est pour ceux qui sont abonnés. Voilà. Donc c'est pour vous. Donc même si la question vient deux fois, s'il y a une petite touche que je peux mettre, je mets pour le bonheur. Ok? Voilà. Donc avec le niveau BPC, c'est-à-dire sans niveau. Comment faire pour rentrer? Comment faire pour venir aux États-Unis? Voilà. Je pense que voilà, c'est ce qu'on appelle le regroupement familial. Soit le regroupement familial peut te faire venir ici sans passer par la loterie, la DV. Mais en ce que je sache, en ce que je sache, la DV loterie requiert, oblige le baccalauréat. Avec le BPC, franchement, je ne sais pas. Et je n'ai pas d'ami qui a le BPC et qui a eu. Mais je pense que c'est le baccalauréat que les gens recherchent. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est reconnu ici. Ici, quand tu viens, si tu n'as pas le bac, tu dois reprendre tout. Vous voyez? Voilà. Même si tu as niveau terminal, tu vas reprendre tout ici. Tu vas avoir le bac, le bachelor ici. Mais si tu as le bac et tu viens ici, c'est comme si tu as le même niveau bac. Tu vas faire un an de mise à niveau et puis c'est parti. Donc sans ça, je pense que le frère peut passer par le regroupement familial. Le frère peut passer donc s'il a assez de moyens par le visa F2. Je pense que c'est F2. Il y a un type de visa F2 que l'Amérique peut te donner lorsque tu as les moyens et que tu viens investir dans le pays. Voilà. Oui, j'ai eu le coup de ça. Lorsque tu as vraiment les moyens que tu viens investir dans leur pays, il y a un type de visa que l'Américain te donne. Voilà, je pense que c'est F2, quelque chose comme ça. Ça aussi, c'est bon. Visa business, visa affaires. Il y a aussi visa tourisme. Mais je pense que selon sa question, il veut venir rester ici. Voilà, sinon, sans niveau, et que tu veux venir voir Los Angeles, ou bien Texas, ou bien, je ne sais pas, Miami. Voilà, tu peux t'adresser à ton ambassade. Voilà. Comme quoi tu veux venir visiter donc Washington, tu veux venir visiter la Maison Blanche. La Maison Blanche, c'est une maison historique, c'est un lieu historique. Vous voyez, c'est la maison la plus sécurisée au monde. C'est une maison la plus sécurisée. La sécurité de la Maison Blanche, c'est pas la peine. Hein? Plus de 1000 mètres sous terre, tout est géré. C'est pas du jeu. Le président se déplace en souterrain. Vous voyez le cortège là-bas, mais il se déplace en souterrain. Donc, c'est un lieu historique que tu peux venir visiter, donc tu peux remplir pour dire, je veux venir en tourisme, je veux voir l'Amérique, je veux voir la Maison Blanche. On te donne un visa, mais ils vont te surveiller comme, je sais pas, comme un enfant. Ils vont te poursuivre, il ne faut pas que tu restes. Parce que lorsque les gens viennent ici avec ce genre de visa, les gens se perdent un peu dans la foule et on ne les retrouve plus. Vous voyez? Donc, je pense que voici les moyens pour venir, ok? Moi, j'aime la légalité et je vous conseille la légalité, ok? Voilà, donc je pense que j'ai répondu à la question du frère. Il n'a pas mis son nom, mais il est enseignant et il est au Bénin et il a le niveau BPC. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'avec la DV Lottery, ce n'est pas la peine de jouer. Parce que tu peux jouer et puis ça a marché. Maintenant, à cause des diplômes, tu n'as pas réussi. C'est pourquoi je conseille aux gens, il est même mieux de ne pas jouer que de jouer et puis ça va marcher. Un, tu as pris la place de quelqu'un d'autre. De deux, tu auras mal au cœur cadeau. De trois, on ne peut plus céder de place. C'est avant qu'on cédait la place. Maintenant, ça n'existe plus. Si tu n'as pas, si tu n'as pas pu, tu n'as pas pu eu ton visa, la place est grillée. Donc, vraiment, c'est pourquoi vous devez bien vous renseigner avant de vous lancer. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à la question. Regroupement familial peut te faire venir sans bac. Tourisme peut te faire venir. Mariage. Voilà. Quelqu'un qui est ici, qui a les papiers, t'a épousé.
Bien sûr, ce n'est pas un PD. Donc, ça peut être une fille si tu es un garçon. Ou bien si tu es une fille, ça peut être un garçon. Voilà. Donc, je n'encourage pas les PDA ici. Voilà. Donc, mon frère, comme c'est un garçon, s'il y a une fille blanche que tu connais ici, qui peut te faire venir, ou bien une fille américaine noire qui a les papiers qui peut te faire venir, tu peux donc rentrer. Vous voyez? Voilà, il y a ça aussi. Et il y a une autre chose qui m'échappe un peu. Qui m'échappe un peu. J'ai dit regroupement familial, mariage, visa F2 pour les businessmen. Il y a un autre truc qui m'échappe là, mais qui peut te faire rentrer ici aussi. Donc, voici un peu visa tourisme, voilà. Donc, voici un peu en quelque sorte ce que je peux dire. Voilà, merci, merci mes frères, merci de vous abonner. Je ne serai pas trop long dans cette vidéo, je vais revenir dans une troisième vidéo. Donc, aujourd'hui, c'est la couleur bleue qui domine. Merci, merci, merci. Vous allez voir des vidéos de propositions qui vont s'afficher. Cliquez dessus et vous allez voir un petit rond avec mon chapeau. Cliquez dessus et rejoignez la communauté des vainqueurs. C'était votre frère l'évangéliste plus que vainqueur, donc puisqu'il se prénomme Herman. Merci et à la prochaine.